Je vais vous montrer une première méthode pour créer un module multilingue dans un seul fichier Storyline. Il faut d'abord créer une page d'accueil avec un bouton pour chaque langue. Ensuite, on va dupliquer le contenu du module pour créer une scène par langue. Puis, sur la page d'accueil, on va ajouter un déclencheur sur chacun des boutons qui amènera l'apprenant sur la scène de la langue en question. Et c'est tout, c'est très facile à mettre en place.